c'est fan, tout ça. Il trouve des conseils. Non, il est tout bord de l'hôtel, il a comme les pilotes, là, c'est fan, ça, non c'est prof. En tant que prof, je les trouve des conseils, il ne s'intéresse à rien, rien du tout. Mais même pas à la fête, comme nous, on vous en avez pas parlé. Voilà, on vient de mettre la page en ligne sur le site. Il y a la chronique. Vous voyez. Tac. Voilà. Et en principe, maintenant, on a une nouvelle home page sur le site de France Info. Et donc, on est... Tac, tac, tac. Vous voyez, regardez, dans les images, ici, on a une banque d'images qui circule. Ah, je suis en train de zoomer. Et tac, la chronique est là, en images. Vous pouvez cliquer. Laurent, je crois que vous n'êtes pas directement concerné. Votre petite fille a quel âge déjà? 6 ans. 6 ans, pas tout à fait une ado encore. Alors ces adolescents vous surprennent-ils? Si oui, pourquoi? Question posée ce matin sur Facebook et sur france-info.com. David, éclairage tout de suite avec votre invité qui s'y connaît en la matière. Les ados sont insupportables, mais ce sont nos enfants. C'est le titre du livre, titre provocateur du livre de l'éducateur et chercheur Étienne Liévic. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour. Tout de suite sur Facebook, lieu d'expression des adolescents, la manière dont de grands ados, de grands adultes les voient aujourd'hui. Anne-Marie, ils me surprennent parce qu'ils se coiffent tout le temps. François, ils ont l'injustice et l'injustice à fleur de peau. Joël, ils sont cradouilles. Nicolas, ils ignorent tout de l'orthographe. Swad, leur pessimisme me surprend autant que leur optimisme. N'en jetez plus. Voilà. Le portrait robot des ados sur Facebook, il vous surprend? Est-ce qu'ils sont vraiment insupportables? Est-ce qu'ils sont attachants? Comment vous les voyez, Étienne? Non, alors, justement, je trouve que le portrait est assez juste parce que, en fait, selon l'éclairage qu'on va prendre pour regarder, pour observer les ados, c'est 2008, où en fait commence à s'organiser ce mouvement et ce début de rassemblement autour de Daniel Cohn-Bendit, et dans lequel en fait se retrouvent des politiques, mais surtout beaucoup d'associatifs, beaucoup de gens aussi qui ont travaillé aux côtés de Nicolas Hulot pendant la présidentielle, et qui vont être les architectes de ce rassemblement, et qui se posent une question au fond qui est assez juste, je crois, à ce moment-là, qui est qu'ils ont l'intuition, que a fortiori parce que ce n'est pas un parti politique institutionnalisé, que c'est un mouvement, et qu'un mouvement, ça doit trouver sa dynamique,